Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Ignorance Reborn. C'est reparti encore pour un témoignage puissant et c'est le témoignage puissant 57. En dessous de cette vidéo, surtout vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez là sur abonnez-vous, activez la cloche et ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos. Dans ce témoignage, nous allons découvrir quelque chose de vraiment étrange. Comme vous le voyez déjà à l'écran, on voit une bague. Cette bague n'est pas une bague comme les autres, c'est une bague magique. Ici, une femme ou encore une fille va recevoir tout simplement une bague et elle sera accompagnée d'un serpent mystérieux. Que va-t-il se passer? Regardons ensemble, encore écoutons ensemble ce témoignage et nous allons comprendre beaucoup de choses qui se passent malheureusement dans notre monde. C'est parti. Elle va nous plonger par la suite dans un autre monde, le monde des sirènes, et elle va nous dire réellement ce qui s'est passé là-bas. Écoutons ensemble ce témoignage et réagissons dans la partie commentaire pour essayer de comprendre ce qui va se passer. Laissez j'aime si vous êtes touché. C'est parti. Bonjour, je suis Bonjour. Gailleton Elinga. Je suis ici pour témoigner de ma délivrance. Les problèmes qui m'ont arrivé dont je veux raconter ici provenaient de la nature et la condition spirituelle de ma famille, qui était dans des alliances ancestrales et générationnelles. En plus, mon nom était problématique. Tout a commencé un samedi soir alors que je dormais. C'était précisément en 2013. Cette nuit-là, je dormais, puis je me suis réveillée. J'étais un peu fatiguée, j'étais encore allongée sur mon lit et je tentais de relaxer, mais alors que je me détendais, dès que je me suis retournée de l'autre côté du mur de ma chambre, à ma grande surprise, j'ai vu des étoiles brillantes et des dessins des poissons sur le mur de ma chambre. Wow. Du coup, le mur de ma chambre avait changé. En effet, il brillait et scintillait avec une grande lumière. J'ai eu l'impression que j'observais un immense et brillant aquarium qu'on met à la maison. Il était d'une lumière magnifique à l'intérieur de ce qui devait être le mur de ma chambre. En fait, j'observais le royaume sous-marin du diable, bien que j'ai eu l'impression de regarder un aquarium que nous plaçons dans nos maisons. Dans cette dimension, j'ai vu beaucoup de sculptures de poissons, et tout était très étrange pour moi. À vrai dire, j'ai eu peur et j'ai voulu crier au secours. Dans cette chambre, je dormais avec les membres de ma famille. Je voyais tous ce phénomène pendant qu'ils dormaient. Comme j'avais peur, j'étais sur le point de crier au secours. Du coup, j'attends une voix m'avertissant de ne pas le faire. Ce qui est étonnant est que la voix que j'entendais était celle de mon grand-père qui mourut il y a plusieurs années. Il me disait, « Elinga, ne crains pas, aujourd'hui c'est ton jour. Tu n'as pas à réveiller les autres car c'est ton jour. Tu as été choisi et mis à part. » Je lui ai demandé, « Qu'est-ce que tu veux dire aujourd'hui de mon jour ?» Pendant que je parlais à mon grand-père qui est mort il y a plusieurs années dans cette dimension, j'ai vu un serpent qui a commencé à me parler. Le serpent s'était enroulé jusqu'à une hauteur d'un mètre, puis il leva sa tête. Ensuite il commença à me parler. C'était la première fois que je voyais un serpent dans ma vie. Il était énorme, il était 4 heures du matin quand ce serpent commença à me parler. Mes frères et sœurs, votre enfant est censé être en train de dormir à pareille heure. Et vous, ses parents, vous vous dites que votre fille dort. Alors que, à cette même heure, des démons ou encore des entités spirituelles ou encore démoniaques sont dans sa maison ou encore dans votre maison sans que vous ne vous en rendez compte. En fait, après ces entités-là viennent, ils soufflent un vent qui va vous endormir profondément. Et vous, si vous n'avez pas Dieu, c'est ce qui va se passer. Vous ne saurez rien de ce qui va se passer. Maintenant, elle sera en train de faire quoi? Causer avec qui? Son grand-père. Ça veut dire un mort. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? C'est interdit de causer avec le mort. Ce n'est pas permis. Pourquoi? C'est parce que derrière le mort, ou encore les personnes décédées, il y a des démons. Et ici, à un moment donné, qu'est-ce qu'elle a dit? Qui est sorti? C'est un serpent. C'est un serpent qu'elle a vu là, qui s'est carrément tenu à un mètre, c'est-à-dire plus d'un mètre d'elle, c'est-à-dire comme s'il se tenait sur ses pieds. Mes frères et sœurs, derrière un mort, c'est un mauvais esprit. Même les sorciers peuvent se mettre derrière l'esprit des morts pour venir vous faire croire que c'est l'esprit de vos parents décédés qui vous parle. Vous voyez? Donc, nous devons, avant de dormir, prier et dire au Seigneur notre Dieu, s'il te plaît Seigneur, purifie notre maison, purifie tous nos enfants, protège notre maison, protège nos enfants contre tous les mauvais esprits. Parce que dans ce monde-là où nous sommes véritablement dans un monde trop compliqué. C'est comme quelqu'un va dire que votre maison est dans une forêt et
Dans cette forêt-là, il y a des animaux féroces autour. Mais quand votre maison est là, eux aussi sont autour. Ils cherchent une petite porte seulement pour entrer. Imaginez, s'ils sont entrés, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant que ces démons-là ont entré dans la maison et ont réussi à entrer en contact avec cette fille, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Écoutons ensemble son témoignage pour en savoir plus. Franchement, ça commence à être de plus en plus intéressant. On est plus loin pour la compréhension de ce message. Ça va être vraiment extraordinaire. Let's go. Il me dit, Elinga, ne crains rien. À 5 h du matin vers l'aube, avant le lever du soleil, tu iras aux toilettes. Il y a déjà un esprit que nous avons mis en toi. Il va te réveiller quand il est temps de se lever. Le serpent me dit, une fois que tu arrives à la toilette à 5 h du matin, tu verras un anneau doré et brillant à l'intérieur de la toilette pour toi. Tu vas prendre cet anneau et le porter. Alors que ce serpent me parlait, les autres membres de ma famille dormaient profondément dans cette chambre. J'étais sur le point de les réveiller, mais ce serpent m'a prévenu de ne pas le faire. Il me dit, nous sommes venus spécialement pour vous. Quand il était 5 h du matin, je t'ai réveillé par un esprit démoniaque qui a été placé en moi. Le matin, quand je suis allé aux toilettes comme instruit par le serpent, j'ai vu un anneau doré et brillant dans la toilette. Quand j'ai pris cet anneau, j'ai demandé au serpent, quel est le but de cet anneau? Il me dit, nous en parlerons plus tard. Mais dès que j'ai mis cet anneau d'or sur mon doigt, soudainement j'ai commencé à entendre les bruits de déferlement de vagues d'eau. J'entendais également le bruit de vent qui soufflait et agitait les arbres dans la forêt. Je pouvais entendre comme un vent qui se mit à souffler très fort et secouait les feuilles des arbres dans la forêt. Puis le serpent me fit comprendre que les bruits des déferlements et de vagues des eaux que j'attendais étaient la salutation des esprits des eaux, et le bruit des arbres qui étaient agités par les vents était la salutation des esprits qui résident dans les forêts. Mes frères et sœurs, une simple bague qu'elle a positionnée sur son doigt a ouvert ses oreilles spirituelles. Ah! Mes frères et sœurs, c'est pas un hasard qu'on nous dit d'éviter souvent les bagues. Et regardez même à l'écran, il y a une bague où on voit même déjà une tête de mort. C'est pas de la blague, c'est tout sauf de la blague. Ces choses sont bel et bien réel. Et quand on voit ça, il faut vraiment faire attention. Parce que il y a quelque chose qui se trouve dans cette bague-là. C'est pourquoi elle a commencé à entendre ce qu'elle n'était pas censée entendre. Qu'est-ce que c'est? C'est un esprit qui possède quoi? Cette bague. Et déjà elle-même, elle a déjà reçu un esprit en elle. Et c'est cet esprit-là qui lui permet d'être connecté à cette bague-là afin de lui donner des informations. Est-ce que vous comprenez? C'est comme quelqu'un m'a dit que quand cet esprit-là entend les choses qui sont spirituelles, elle entend également les choses qui sont spirituelles. Pourquoi? Parce que cet esprit-là a été mis en elle. C'est comme ça se passe. Ça fait que tous ceux qui ont de telles bagues, comme les bagues, comme ce que vous êtes en train de voir le camp en ce moment, toutes ces personnes-là, forcément, ils ont reçu un démon en eux. Sinon, cette bague n'aurait pas d'effet. Le démon vient pour vous posséder. Est-ce que vous voyez? En même temps, il a des influences sur la bague. Néanmoins, quand la bague n'est pas là, vous allez sentir que le pouvoir de ce démon-là faiblit parce qu'il a besoin d'avoir aussi la bague à côté. C'est comme quelqu'un m'a dit que c'est déjà une incantation. Il faut forcément lis l'incantation sans se tromper. Parce que si tu as un mot qui manque, c'est comme si l'incantation n'a pas marché. C'est exactement la même chose. Et ce sont des types ténébreux. Il faut éviter toutes ces choses. On nous parle de bagues de protection, balles magiques, bagues de la chance. Qu'est-ce que vous cherchez, mes frères et sœurs? C'est le diable Satan qui a inventé toutes ces choses pour plonger les gens dans le péché ou encore dans la magie ou encore dans l'occultisme. Parce qu'il sait que dès que vous entrez dans l'occultisme, vous êtes dans la merde parce que pour ressortir, c'est difficile. Voici que cette fille-là, elle aussi, elle est entrée dans cette dimension sans s'en rendre compte. Que va-t-il se passer par la suite? Écoutons ce témoignage pour en savoir plus. C'est parti. Plus tard, le serpent me dit, l'anneau sur votre doigt est le symbole de l'alliance et le pacte qui nous unit à toi. Puis j'ai entendu le serpent me dire, vous êtes maintenant dans notre crique. En effet, vous êtes connecté avec le monde marin et le monde de la forêt. C'est pourquoi vous entendez les bruits de vagues et le vent dans la forêt. Ces deux dimensions de notre monde vous saluent et vous honorent parce que vous êtes une reine et un dignitaire.
Le serpent me demanda de m'asseoir. J'étais sur le point de m'asseoir au sol, quand soudainement il a fait apparaître un trône royal. Ce trône était décoré avec une sculpture artistique. Dès que je me suis mis sur ce trône, il me dit, « Dans quelques jours vous allez voyager vers le royaume des esprits sous l'eau, vous allez siéger sur ce trône royal, parce que vous êtes une reine. » Le serpent me dit, « Votre arrière-grand-père était sûrement élevé. Il avait tué et sacrifié beaucoup dans votre famille pour atteindre ce niveau, mais cependant il n'a jamais atteint cette puissance. Par contre, vous êtes choisi pour cette position. En fait, nous vous avons choisi parce que votre étoile brille intensément dans le monde des esprits. Votre étoile éclatant a attiré notre attention. » Le serpent me dit, « Tous vos frères et sœurs ont des étoiles brillantes, mais en termes de gloire, le vôtre est plus brillant, éclatant et plus intense. Tous vos frères et sœurs seront bénis matériellement à cause de leurs étoiles, mais vous serez plus bénis qu'eux, ce donc à cause du degré du rayonnement et de la splendeur de votre étoile que nous vous avons choisi. » Est-ce que vous avez entendu, mes frères et sœurs? Est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce que ce serpent-là est en train de dire? Qu'est-ce que ce démon est en train de dire? Ce démon est en train de dire que elle, cette fille-là, c'est une fille dont Dieu a sa main sur elle. C'est une femme, fille qui a été choisie par Dieu lui-même. Et comme elle a été choisie par Dieu, c'est pourquoi son étoile brille. Et si son étoile brille, elle les intéresse. Donc, ils vont chercher à travailler avec elle avant que Dieu n'arrive la prendre. Une fois qu'ils vont se mettre à travailler avec elle, ils vont chercher à faire quoi? À ne plus faire briller son étoile. Ou bien, ils vont encore lui faire des choses horribles afin que Dieu puisse la détester ou même la détruire. Voici pourquoi de tels démons viennent comme ça sur la terre. Et quand on dit que votre étoile brille, c'est ce que ça veut dire. Il a tout dit, ça, la signification qu'elle a. Mes frères et sœurs, c'est tout sauf de la blague. Si vous êtes combattu dans votre famille, ça veut dire que votre étoile brille. Allez jusqu'au bout parce que là devant vous se trouvent vraiment de grandes choses. Allons-y plus loin. En plus de l'éclat de votre étoile brillante, nous avons constaté que Dieu vous a donné le don de libéralité et générosité. C'est pourquoi nous vous avons choisi. Il dit quoi? En plus, ils ont constaté que Dieu lui a donné quoi? Le don de libéralité. Dieu lui a donné. Vous devez comprendre. Et ils n'attaquent pas n'importe qui. Ils attaquent ceux qui sont importants pour Dieu. Voilà. Nous pensons que Dieu vous a donné un don en plus, un don de libéralité. Regardez-moi ça. Quand Dieu choisit de donner de faire briller l'étoile de quelqu'un, ou encore, quand Dieu envoie quelqu'un dont l'étoile brille sur la terre, forcément, cette personne sera accompagnée par plusieurs dons. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Le don de libéralité dont cette personne a entendu dire, c'est une manière de dire que le don de partage, tu vas partager, tu vas aider les gens. C'est-à-dire que cette personne a son étoile brille pour qu'elle puisse éclairer le monde entier. C'est pourquoi votre étoile brille. Sinon, ça ne servira à rien. C'est-à-dire qu'une fois que Dieu vous a envoyé sur cette terre, vous devez partager la parole de Dieu. Et comme vous avez été choisi, la parole de Dieu sera donnée à tous avec une lumière qui va entrer dans la vie de chacun afin de changer positivement la situation. Allons-y plus loin, s'il vous plaît. Que Dieu vous a donné le don de libéralité et générosité. C'est pourquoi nous vous avons choisi, afin que vous puissiez nous donner beaucoup des âmes, car ce sont les âmes dont nous avons besoin. L'anneau d'or que vous avez sur le doigt sera invisible pour les hommes animaux et les civils, car vous serez la seule à le voir. Est-ce que vous avez compris? Il dit quoi? Que cette bague-là sera invisible pour qui? Les hommes animaux. C'est qui est-ce qu'ils appellent les hommes animaux? Tous ceux qui n'ont pas Dieu dans leur vie. Eux, ils considèrent ceux qui n'ont pas Dieu dans leur vie comme des hommes animaux. C'est-à-dire que eux, pour eux, les humains, c'est du bétail. C'est du bétail pour eux. Ils nous détestent. Ils ont une haine horrible même. C'est-à-dire une haine exagérée pour tous les humains.
Vous aussi. Vous, est-ce que vous aimeriez qu'on vous appelle un homme animal? C'est comme on va dire que c'est quelqu'un qui est prêt à être sacrifié. Oui. C'est pas de la blague, mes frères et sœurs. C'est réel. On ne sait plus rien. Il y a beaucoup de détails dans ce témoignage. Quand il était 5 heures, ce serpent démoniaque me dit, maintenant que tu as mis sur toi cet anneau royal, tu dois retourner dans la maison. Une fois que vous entrez dans la maison, vous allez ouvrir pour nous la porte de la maison afin que nous puissions entrer et prendre le contrôle de votre maison et votre famille. Voilà. Maintenant que cette fille-là a reçu cette bague, c'est comme si on disait qu'elle a reçu l'initiation. L'initiation a commencé. Et on lui demande maintenant d'ouvrir une porte d'entrée dans la maison pour qu'eux puissent venir s'installer dans la maison. C'est la même chose. Et quand ils vont venir dans la maison, là, vous savez ce qu'ils vont faire par la suite? Ils vont installer des caméras de surveillance dans toute la maison. Ça veut dire qu'à partir de l'enfant, ils vont entrer chez vous. En plus, ils vont installer des caméras de surveillance dans la maison ils vont voir tout ce que vous faites à partir de ces caméras, tout ce que vous dites à partir de ces caméras, vos projets, tout cela, toutes ces choses seront devant eux à cause de cela. Ça veut dire que vous allez voir que depuis que la caméra de surveillance va être installée dans la maison, vos affaires vont commencer à prendre un coup, tout simplement parce que il y a des démons qui sont dans votre maison, mais vous n'êtes pas informé. C'est pourquoi chaque jour vous devez prier. Vous demandez à Dieu de vous montrer l'état, c'est-à-dire l'état de votre maison spirituellement parlant. Est-ce que votre maison n'est pas habitée par un sorcier ou une sorcière? Que Dieu vous révèle cela aujourd'hui. C'est important. Souvent là, il y a des maisons qui sont transformées en lieu de sorcellerie, en lieu de rencontre de la sorcellerie, tout simplement parce que il y a quelqu'un qui ouvre une porte dans la maison. Donc tous les sorciers du quartier, ils viennent dans votre maison pour faire des réunions. Et quand ils arrivent là, vous savez ce qu'ils font? Vous allez sentir que sur le toit là, on vous l'a dit ce matin dans la vidéo précédente, dans l'une des vidéos précédentes, on vous a dit ce matin, quand vous allez finir de prier, vous allez entendre sur le toit un bruit, boum. Ah! Mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais que se passe-t-il, mes frères et sœurs? C'est tout ça. Sans tarder, je suis retournée à l'intérieur de la maison. Et à 5 heures du matin, j'ai ouvert la porte de notre maison pour le monde marin, afin qu'il puisse entrer et prendre contrôle. Quand les esprits du monde marin sont entrés, il y avait eu un vent fort qui avait envahi la maison. Quand ce Voilà. vent soufflait, je ne pouvais pas bouger. Le vent souffla fortement durant une demi-heure, et puis il s'arrêta. Toutefois, personne dans la maison ne pouvait sentir l'ouragan qui soufflait dans la maison, et donc mes yeux spirituels étaient ouverts grâce à l'anneau royal sur mon doigt. En plus, j'étais le seul qui pouvait sentir et voir ces phénomènes paranormaux. Ces événements étaient en réalité mon entrée dans le monde qui est sous l'eau. En plus du monde de sirène des eaux, mes yeux spirituels pouvaient voir les esprits de la forêt. J'étais constamment en communication avec ces deux royaumes car j'étais devenu leurs agent. Selon vous, pourquoi est-ce qu'ils ont demandé à entrer dans la maison? C'est pour contrôler, bien, pour voir tout ce qui se passe, installer la caméra. Mais c'est aussi pour les sacrifices. À un moment donné, là, c'est sûr qu'à la fin, jusqu'à ce moment-là, elle va finir. Forcément, ils vont lui demander à elle aussi de tuer quelqu'un dans la maison. Et eux, ils peuvent faire défiler les images de cette maison sur un écran parce qu'ils ont maintenant des caméras de surveillance dans la maison. Hey, c'est pourquoi ils font ça. Hey, mes frères et sœurs, c'est grave. En conséquence, j'ai dû effectuer des missions et affectations pour le royaume des eaux. Peu de temps après ces manifestations surnaturelles, un certain mardi, alors que j'étais en train de me laver, j'ai reçu un appel du monde sous-marin. Je Wow. fus instruit d'effectuer un voyage dans le monde de sirènes. Étant donné que je me lavais, je leur fais savoir qu'une fois que je finis de me laver, je ne veux pas tarder. Alors, une fois que j'ai fini de me laver, aussitôt, je suis allé à la rive du rivière afin de voyager vers le monde sous-marin. En fait, je pouvais effectuer le voyage interdimensionnel vers le monde sous-marin partout où il y avait de l'eau. À vrai dire, l'eau était le portail vers le monde parallèle. Mes frères et sœurs, elle dit que l'eau était le portail vers le monde parallèle. Si vous n'êtes pas informé, mes frères et sœurs, sachez que les étendues d'eau là, dans les étendues d'eau, il y a des poissons.
Ça, tout le monde est informé. Il y a des baleines et des dauphins. Mais, sous l'eau là, on ne trouve pas toujours la terre. C'est vrai, si toi tu entres physiquement, ton pied va toucher le sol jusqu'à ce qu'on ne voit plus ta tête, tu seras totalement immergé. Mais spirituellement parlant, il y a des portes sous l'eau. Il y a des portes sous l'eau. Et des démons peuvent donner l'accès à quelqu'un d'y entrer. Peut permettre à quelqu'un d'avoir accès. Mais il faut que la personne soit en communication avec eux. Qu'est-ce qui va se passer? Par exemple, quand vous, par exemple, vous allez à la plage, ou à la plage, sur la plage là, quand vous entrez dans l'eau, à un moment donné, vous sentez que vous entrez dans l'eau. Mais vous, après, vous allez être immergé. Quand vous plongez votre tête carrément dans de l'eau, qu'est-ce que vous voyez à terre? Vous voyez le sol, vous voyez le sable. Mais si un démon vous accompagne dans cette histoire, dans cette expédition, il peut pousser un cri. Vous allez voir que la terre va s'ouvrir et une porte, un escalier va vous donner accès à un monde sous-marin, sous l'eau là-bas. Voilà, c'est ça la vérité. C'est comme ça se passe. Donc, vous devez comprendre ça. Mais avant, il va vous veiller à ce que vos yeux spirituels soient ouverts, vos oreilles spirituelles soient ouvertes, pour que vous puissiez entendre ce qui se passe dans leur monde. Parce que c'est un truc qui est totalement spirituel. Les gens sont déjà partis. D'un témoignage que nous avons traité, c'est que bon, quelqu'un est allé là-bas, un sataniste. Un sataniste a dit qu'il est allé là-bas physiquement et il l'a vu. C'est une femme sirène même qui l'a accompagné, c'est-à-dire qui l'a accompagné à ce jour-là, qui est venu le chercher sur la plage et qui l'a fait entrer dans ce monde-là. Et lui, il a dit que quand il rentrait dans l'eau, il pouvait respirer comme s'il se trouvait dehors. Et ce qui est étrange, c'est que son vêtement ne se mouillait pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait la présence d'un démon à côté de lui pour le conduire. Donc, le pouvoir de cette créature ou encore de ce démon-là ne lui permettait pas d'être un humain ordinaire en ce moment-là. C'est ça la réalité des choses. C'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Ne soyez pas un peu confus. Voilà. On ne dit plus rien, ça va plus. Que va-t-il se passer maintenant qu'elle va dans ce monde? Ça va être chaud. Marin, en fait, je pouvais effectuer le voyage interdimensionnel vers le monde sous-marin partout où il y avait de l'eau. À vrai dire, l'eau était le portail vers le monde parallèle. Après ma convocation, sans tarder, je me suis rendu au bord de la rivière Calamus. Dès que je suis arrivé au bord de la rivière, je me tenais devant la rivière, et je prétendais contempler et admirer la rivière qui coulait. Mais en vérité, c'était juste mon corps qui se tenait là en train d'observer la rivière. Mon esprit avait déjà quitté mon corps et avait voyagé dans le royaume sous la rivière. Pendant ce temps, mon corps était animé par un démon. Tu peux même parler à mon corps. Mais en réalité, tu parles à un démon qui est entré dans mon corps pour l'animer, car moi-même, je suis déjà sous l'eau. Elle dit qu'elle est là, arrêtée dehors comme ça, et à côté de la mer. Et vous, vous parlez à elle, à la femme, à la fille, alors que c'est un démon. Mes frères et sœurs, si vous n'êtes pas informés, nous allons vous dire encore ici. Il y a quelque chose qu'on appelle le voyage astral, le voyage de l'âme. Quelqu'un va dire le voyage de l'esprit. En fait, quelqu'un fait sortir son esprit ou encore son âme, je ne sais pas comment vous appelez, il fait sortir cette chose spirituelle qui se trouve en lui, qu'on voit en songe là. Voilà, il fait sortir son âme de son corps et son corps reste genre vide, vide, carrément vide. Et quand il sort de son corps, il peut carrément voir son corps couché. C'est comme vous vous fermez les yeux et vous vous imaginez là où vous étiez avant de fermer les yeux. J'étais ici, je suis au salon et je suis en train de parler à tous les abonnés, les futurs abonnés. Et ils m'écoutent, ils me regardent en ce moment. C'est ce que vous vous dites. Et c'est exact parce que c'est ce que vous avez vu. Mais quand quelqu'un sort de son corps, lui, il sort carrément de son corps vraiment. Et ce qu'il voit, c'est réel et c'est précis. Plus précis même que les yeux physiques. Il peut voir clairement son corps. C'est comme si quelqu'un m'a dit que c'est un dédoublement. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé le film de Naruto.
Dans le film de Naruto, là, on peut voir Naruto faire du multi-clonage. Il se dédouble. Il peut se dédoubler en 1000 personnes comme ça. Voilà. C'est comme des clones. C'est la même chose. Sauf que ton clone est spirituel. Et quand tu sors de ton corps, ce qui reste là, ton corps qui est vide là, si ton corps est vide, bien entendu, tu vas mourir. Parce que Dieu a créé l'homme avec trois entités. C'est-à-dire l'homme est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc, un démon va venir prendre ta place lorsque tu vas partir pour ne pas que tu meures. Sinon, sans la présence de ces trois entités en toi, ça sera sûr que tu vas mourir sur le champ. C'est pourquoi on dit que tous les sorciers sont tous possédés par un ou plusieurs démons au moins. Parce que tous les sorciers effectuent des voyages astraux. Pour effectuer un voyage astral, il faut forcément avoir un démon en soi lors du voyage. Mais c'est dans un délai bien déterminé. Si tu vas effectuer ce voyage au-delà de 3 jours, tu meurs, ton corps se décompose. Là, tu vas dire vraiment Dieu, il est fort. C'est à ce moment-là qu'on voit que Dieu est Dieu et il a sa main encore sur toute chose. Le démon a pas dit que tu vas faire une année là-bas, c'est que personne ne s'en rend compte. Mais pourquoi on dit 3 jours? Il y a un délai. Même le Seigneur Jésus-Christ, il est mort et il est ressuscité le troisième jour. C'est un mystère, ça se trouve dans la parole de Dieu. Pourquoi pas 5 jours, pas 2 jours? On dit 3 jours. C'est comme si quelqu'un va dire que c'était la même chose. Il était allé quelque part. Ah, et il est revenu. C'est-à-dire, le corps qu'ils ont tué là était mort, il n'y a plus de vie. Est-ce que Jésus a-t-il fait un voyage astral ce jour-là? Franchement, je ne sais pas. Mais s'il a effectué un voyage astral, c'est qu'il y a un autre esprit qui était en lui pendant qu'il était couché, pour que son corps ne se décompose pas. Parce que pour que le corps ne se décompose pas, nous vous avons dit, il faut que forcément un esprit soit dans ce corps-là pendant que votre âme part quelque part. Oui, c'est comme ça se passe. Ah, mes frères et sœurs, il y aura beaucoup de révélations ce soir, ça va être chaud. On en dit plus loin. Que va-t-il se passer maintenant qu'elle va entrer dans le monde sous l'eau, pendant qu'elle sera partie, et que son corps sera en train de causer même avec les passants du quartier? Alors que ce sont les démons qui possèdent son corps, écoutons ce témoignage pour savoir plus. Tu parles à un démon qui est entré dans mon corps pour l'animer, car moi-même je suis déjà sous l'eau, le vrai moi est déjà dans le monde sous-marin. Ce jour-là, quand j'ai fini de me baigner, je me suis rendu vers la rive de la rivière locale, pour voyager dans le monde de sirènes et répondre à la convocation. Avant de me rendre à la plage pour effectuer le voyage vers le monde de sirènes, premièrement je me suis procuré une poupée, ayant beaucoup de cheveux et portant une couronne. Cette poupée était ma représentation dans le monde sous-marin des sirènes. En fait, dans le monde sous-marin, j'avais beaucoup de cheveux comme des sirènes et des déesses. J'avais également une couronne royale. J'avais un anneau de puissance et un trône. La première fois que je me suis rendu à la plage pour ce voyage, j'étais supposé utiliser ce poupée comme le véhicule de mon esprit. Je veux dire, je devais en premier lieu jeter le poupée dans la rivière. Ensuite, je devais opérer la projection astrale dans le poupée. Je veux dire, mon esprit devait entrer dans le poupée et voyager sous l'eau. Ce jour-là, en premier lieu, j'ai dû jeter la poupée dans la rivière. Par la suite, j'ai dû sortir de mon corps. Enfin, mon esprit entrait dans la poupée et voyagea vers le monde de sirène. Par ailleurs, ce poupée n'était pas seulement le véhicule de mon esprit. C'était également ma représentation. Et donc, ce jour-là, j'ai quitté mon corps et je suis entré dans la poupée. Par la suite, je suis descendu sous l'eau. Pendant ce temps, un démon animait mon corps physique qui était resté sur la plage en train d'observer la rivière. Plus tard, quand je suis arrivé dans le royaume aquatique de sirènes, j'ai vu beaucoup de bébés avortés qui ont été recueillis par les sirènes. En effet, le corps de beaucoup des enfants avortés sont la plupart du temps récupérés par les sirènes, qui les amènent sous l'eau. Après cette scène, j'ai vu beaucoup de démons très courts qui sont venus m'accueillir dans ce royaume sous la rivière. J'ai vu également des sirènes ayant les queues de poisson, qui étaient attroupées pour m'accueillir. Et elle me saluait, pendant que je marchais dans le tapis d'honneur. Elle me jetait l'eau pour m'honorer. Après avoir atterri dans cette dimension aquatique, j'ai vu des gens qui sont morts il y a plusieurs années. Ils étaient venus m'accueillir. Ensuite, j'ai vu mes ancêtres et les membres de ma famille qui sont morts avant même que je sois né. Ils m'accueillaient tous avec joie et célébration.
Puis j'ai vu mon défunt grand-père et beaucoup de gens qui sont venus m'accueillir et assister à mon intronisation. Il y a beaucoup de gens qui sont morts sur la terre. Cependant, ils ne sont pas allés directement en enfer ou au paradis. À cause des alliances de nos ancêtres, beaucoup de gens meurent prématurément avant le temps que le Seigneur les avait alloués. En conséquence, ils continuent leur vie dans le monde qui est sous l'eau. J'ai été surpris de voir beaucoup de membres de ma famille qui sont morts il y a plusieurs années. Ils vivaient sous l'eau dans cette civilisation sous l'eau. Il y avait une foule des humains et de sirènes qui étaient réunis. Car je devais être intronisé et couronné comme reine du monde des eaux. Je marchais sur un sol qui ressemblait à de l'eau. Pourtant mes pieds ne touchaient pas l'eau. Alors que je marchais dans ce tapis d'honneur, je vis un corbeau suspendu dans l'espace. Ce corbeau annonça ma venue et dit à la foule. C'est la personne qu'on attendait tous, elle est enfin arrivée, alors que ce corbeau me présentait à l'assistance des sirènes et des esprits qui sont venus m'accueillir. J'ai continué à avancer vers le trône qui était érigé pour moi, au point de la rencontre de la rivière et du fleuve Congo. Quand je suis arrivé au point de la rencontre de la rivière et le fleuve, j'ai vu un trône magnifique qui était bien orné pour moi. On m'a demandé de siéger ce trône. Au moment où je me suis assis sur le trône, le corbeau me dit, « Votre Majesté la Reine, il y a un homme qui est un officier du gouvernement congolais qui est venu nous voir. Il nous a dit qu'il voulait construire un pont sur la rivière. Il est venu demander votre autorisation. » À ce moment j'ai vu l'homme qui était l'agent du gouvernement s'approcher de mon trône. Cet homme travaillait pour le gouvernement congolais. Il a été chargé par le gouvernement congolais de construire un pont au-dessus de la rivière Kalamu. Il est venu chercher la permission du monde sous-marin. Étant donné que j'étais nommée reine, je devais donner à l'officier du gouvernement congolais l'autorisation de construire le pont sur la rivière. Frères et sœurs, nous avons ici le cas d'un agent gouvernemental national envoyé sous l'eau pour demander l'autorisation de construction d'un pont au-dessus de la rivière. La Bible dit, « Le monde entier est sous la puissance du malin. » En vérité, chaque fois qu'un pont doit être construit sur une rivière, un lac, un courant d'eau ou fleuve, le gouvernement local et national doit arriver à un accord et recevoir la permission des entités de l'eau résidant et régnant dans cette eau. Autrement, il y aurait des perturbations et des obstructions. Quand j'ai donné à l'officier du gouvernement l'autorisation de construire le pont, je lui ai demandé de nous apporter de bananes, du poisson. Il devait également apporter 100 francs. Je lui ai dit d'apporter toutes ces choses à minuit au bord de la rivière, et de faire de prières d'invocation au nom de la reine telle du royaume tel. En plus de ses exigences, je lui ai également donné l'option de venir le placer dans la rivière. Une fois qu'il aura acheté ces choses, quelques jours après l'entrée en fonction dans le monde sous-marin comme reine du monde des eaux, quelques jours plus tard, je dormais à la maison. Quand soudainement l'agent du gouvernement congolais est venu chez moi, avec les exigences que je lui avais demandées, il se tenait à la porte de notre enceinte. Alors que je dormais, il me réveilla par ses invocations, comme je lui avais instruit. Aussitôt que l'officier de l'État signala sa présence par la conjuration, immédiatement je suis sorti de mon corps. À ce moment même, ma tenue royale est descendue sur mon corps astral, puis ma servante et le majordome m'habillèrent avec le vêtement royal. Ceux-ci étaient des démons assignés pour me servir car j'étais la reine des eaux. Une reine dans le monde des eaux diffère d'une déesse. En effet, il y a beaucoup de races de déesses dans la civilisation aquatique. Le royaume de Satan est une imitation du royaume de Dieu en termes d'organisation. Il a tenté de calquer ce qu'il a laissé au ciel, de même que dans l'église il y a des différents ministères et des dons. Dans le monde sous-marin il y a diversité de sirènes et de déesses. Ils possèdent de puissance et pouvoirs variés. Ainsi il y a de déesses de beauté qui donnent l'aspect, la beauté et le charme. Il y a de déesses de richesse, qui donnent de l'argent. Il y a la déesse de la fécondité qui donne des enfants aux femmes stériles. Il y a deux déesses de séduction et celle de la célébrité. Tous ceux-ci règnent. Déesses et reines ont à la tête un roi, qui domine tout le monde sous-marin. Avant de quitter mon corps pour aller rencontrer l'officier de l'État congolais dehors, j'ai dû souffler un vent de manipulation sur toutes les personnes qui dormaient dans la maison, pour qu'ils dorment profondément, car il est très dangereux qu'ils se réveillent pendant que j'opère des projections astrales vers le monde de sirènes des eaux. En effet, dans le cas où quelqu'un se réveillait et bougeait mon corps, je serais en danger de mort. À vrai dire, j'aurais du mal à retourner dans mon corps. Alors, j'ai rejoint l'agent du gouvernement à l'extérieur et nous avons voyagé à la rive de la rivière Kalamu. Nous avons effectué un déplacement astral vers la rivière. Quand nous avons atteint la rive de la rivière, j'ai instruit l'officier de l'État de placer tous les objets qu'il avait amenés au sol sur la rive de ce rivière. L'officier de l'État posa tout ce qu'il avait amené sur la rive. Puis il se tint devant la rivière pour s'adresser aux esprits du monde sous-marin.
Il dit, « Je suis Monsieur X, je viens de la part du gouvernement congolais, je voudrais construire un pont dans ce rivière pour la bonne circulation de population locale. Voici les exigences et offrandes que vous m'avez demandées. » Dès que l'officier de l'État avait fini de présenter les offrandes qu'il avait emmenées, soudainement survint le corbeau, que j'avais vu la dernière fois lors de mon couronnement et mon intronisation. Aussitôt que ce corbeau vint, il survola la rive de ce rivière, et ce corbeau souffla du feu de sa bouche sur les objets apportés par l'officier de l'État congolais. En conséquence, ces objets étaient tous brûlés par le feu qui a été soufflé par le corbeau. Ceci voulait dire que l'offrande du gouvernement était acceptée par le monde des sirènes des eaux. Avant de libérer l'officier de l'État, je lui proposa une alliance supplémentaire. Je lui ai dit, nous devons signer un accord. Il y a un hôtel gouvernemental autour de la rive du fleuve. Vous devez convenir qu'à chaque fois que les gens ont des rapports sexuels dans cet hôtel, la femme sera enceinte, mais elle sera influencée par l'esprit d'avortement. Elle aura tendance à avorter afin que je puisse récupérer le corps du bébé avorté et le transporter sous l'eau. En revanche, au cas où la dame est obstinée et ne veut pas avorter, l'enfant né de cette grossesse sera la nôtre. Nous allons lui utiliser comme notre serviteur T. Il aura deux missions à accomplir. Mais bien qu'il va travailler pour le monde sous-marin, il n'aura pas nécessairement un caractère difficile de peur qu'il soit soupçonneux. Il sera un enfant normal mais un agent du monde des eaux. Ainsi j'utilisais ces enfants que j'envoûtais comme agents pour rendre la parent misérable. Pour tuer et ruiner leur vie, je les utilisais jusqu'à ce que le nombre des années que j'ai déterminées expirait. Dès que le temps alloué pour eux était expiré, je le frappais de la maladie, et ils mouraient et revenaient à moi dans le monde des eaux. Cet officier de l'État accepta le terme et la condition, enfin nous nous sommes séparés. Au fur et à mesure que j'évoluais avec le monde des eaux, je me suis retrouvé dans le monde de la forêt. J'aimerais mentionner mon implication et l'alliance que j'ai signée avec le monde et les sirènes de la forêt. Ceci arriva le jour de Saint-Valentin. Ce jour-là nous sommes sortis avec des amis dans la ville pour boire et passer des bons moments et se détendre. Plus tard je suis entré à la maison à minuit. Puisque j'étais fatigué je me suis assis à la porte de notre maison, et je me détendais, quand soudainement j'ai senti un vent très fort se lever et a commencé à souffler. Alors que ce vent violent soufflait, soudainement de loin je voyais un homme venir vers moi, mais j'ai remarqué alors que l'homme marchait et approchait vers moi. La terre tremblait, je pouvais voir que les arbres et les poteaux électriques étaient secoués et tremblaient. Aussitôt que cet homme se rapprocha de moi, je réalisais que ce n'était pas un homme, en fait, il était plutôt un gorille. Les hommes naturels ne pouvaient pas le voir mais je pouvais le voir car mes yeux spirituels étaient ouverts. Ce gorille était un esprit de forêt. Alors... Ah, mes frères et sœurs. Cette situation se passe où? Cette situation est en train de se passer dans notre monde. Ça se déroule ici. Et elle peut voir ça. Mais personne ne peut voir, pas elle. Et tout le vacarme que ça produit là, elle seule, elle peut sentir cela. Ah, mes frères et sœurs, que Dieu nous aide. Dans quel monde sommes-nous? Hier, sur Nyon Scribon, on nous a dit qu'il y a plus de démons sur la terre que dans le royaume des démons. Mes frères et sœurs, est-ce que c'est faux? Si seulement Dieu nous ouvrait les yeux spirituels pour voir ces choses, c'est sûr que beaucoup de personnes ne sortiraient pas de leur maison. Parce qu'ils sont nombreux et ils sont laids. Certains sont d'une puissance inouïe. C'est incroyable. Mais Dieu est tout puissant et il est fort. Si Dieu ne nous a pas permis d'avoir... Si Dieu n'a pas permis à tout le monde d'avoir les yeux spirituels, c'est pour une bonne raison. Mais il nous donne la possibilité de faire des songes. Dans les songes, on voit souvent des créatures aussi horribles. On peut voir des serpents de 1 milliard de têtes. On peut voir des dragons, des choses horribles. On peut tout voir. Dieu, il a tout simplement dilué un peu, il a un peu mis un peu d'eau dans son vin. Pour ne pas que les gens soient traumatisés sur la terre. Quand il nous a tout simplement dit que malheur à la terre, malheur à la terre, malheur à la terre, car le diable est descendu animé d'une grande colère. C'est tout ce qu'il nous a dit, mais personne ne peut imaginer cela. Et réécoutons encore la description qu'elle a faite de ce gorille qu'elle vient de voir. Et réécoutons encore, allons-y plus loin. Aussitôt que cet homme se rapprocha de moi, je réalisais que ce n'était pas un homme, en fait, il était plutôt un gorille.
Les hommes naturels ne pouvaient pas le voir, mais je pouvais le voir car mes yeux spirituels étaient ouverts. Ce gorille était un esprit de forêt. Alors qu'il s'approchait, j'avais peur. Et même si j'essayais de contrôler ma peur, il y avait l'épouvante. Quand ce gorille, qui était un génie de la forêt, s'est rapproché de moi, il me dit, « Ne crains pas, car ton étoile brille très fortement. » Ne crains pas car ton étoile brille très fortement. À cause de quoi? Tous les démons qui viennent vers elle disent la même chose. Franchement, ton étoile brille. Franchement, ton étoile brille. Ça brille, oh, ça brille, ça brille, ça brille, ça brille. Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, quand votre étoile brille, c'est ce qui se passe. Tous les sorciers du quartier vous détectent. Tous. Et ils vont se mettre à vous combattre si vous êtes chrétien. Mais ne baissez pas les bras, parce que là devant vous se trouvent de grandes choses. Et vous comprenez aujourd'hui pourquoi vous êtes combattu. Vous comprenez aujourd'hui pourquoi depuis que vous avez accepté Dieu, vous êtes combattu. Parce qu'en général, tous ceux qui réussissent à accepter Dieu, quand vous acceptez Dieu, mes frères et sœurs, c'est que votre étoile brille. Sinon, ce ne serait pas possible. Comment? Ce qui fait briller l'étoile là, c'est qui? C'est ce que Dieu met en vous qui fait briller l'étoile. Dieu met en vous son esprit. Il met de bonnes choses en vous, ce qui fait que vous brillez. Et ces bonnes choses-là, c'est ça. La tolérance, l'amour, le partage, toutes les choses les plus bonnes. Avec tous ces éléments que Dieu met en vous, vous pouvez vous enrichir. Parce que l'intelligence et la sagesse seront là. Il suffit seulement de dire, Seigneur, active la faculté d'être intelligent, avoir la sagesse de Dieu. Dieu fera, parce que votre étoile brille déjà. Et il est bon, notre Dieu. Mes frères et sœurs, c'est chaud ce soir. On ne sait plus même penser à plus. Si vous êtes d'accord, laissez un j'aime, abonnez-vous en dessous de cette vidéo. Cliquez sur la cloche, c'est gratuit. Approchez de moi, il me dit, ne crains pas, car ton étoile brille très fortement. Le démon me dit, trois membres de ta famille ont aussi des étoiles brillantes. Ils peuvent se repentir et aller à Dieu s'ils le veulent, mais pas toi. Vu que ton étoile brille plus fort, tu ne peux pas te repentir. Tu dois absolument nous servir. Et puis après, le gorille m'a blessé dans la jambe. Le sang a coulé, puis il a fait une alliance de sang avec moi. Il m'a dit, certes, vous avez une alliance avec le royaume marin, mais je suis venu signer une alliance avec vous au nom des esprits de la forêt. Afin que nous puissions travailler avec vous, nous voulons vous donner le pouvoir de la forêt. Ensuite, ce gorille a commencé à énumérer un nombre de buissons, des forêts et des montagnes dans le pays. Et puis il me dit, partout où il y a un buisson, forêt et montagne, tu as le pouvoir. Le démon m'a introduit dans la dimension de sirène et démon de la forêt, des démons de buissons et des démons de montagne. Il m'a établi dans ce royaume. Bien aimé, nous devons comprendre que beaucoup de forêts, de montagnes et de buissons sont le siège de royaumes et de puissances des ténèbres. Il y a des races de démons qui résident dans la brousse, la forêt et la montagne. Aujourd'hui dans notre pays, beaucoup de chrétiens vont prier dans la forêt. De nos jours, beaucoup de chrétiens vont dans la forêt et la brousse en retraite de prière, mais ces lieux sont la résidence des démons de toutes sortes. À moins qu'ils ne soient sérieux dans leur prière, ils souffriront de contre-attaques et de contre-mesures. Par ailleurs, de nombreux professeurs d'université dans cette ville sont des occultistes. Ils font des prières rituelles et magiques dans la forêt. Je coordonnais leur activité car j'étais très élevé dans la dimension forestière. J'étais l'émissaire des démons de la forêt. J'étais le médiateur entre les occultistes et les génies de la forêt. Pour assister à la rencontre des démons de la forêt, je n'avais pas besoin de dormir. Je faisais des voyages astrales avancés, je veux dire pendant que je mangeais ou lavais le plat. J'étais simultanément hors de mon corps. Et pendant que j'étais hors de mon corps et je voyageais dans le monde des esprits, simultanément je faisais aussi des choses dans ce monde. Je pouvais être en train de dialoguer avec ma famille, et être simultanément être en train d'assister au rassemblement de sirènes de forêt et des occultistes. Et donc je travaillais avec les sirènes des eaux et les génies de la forêt. En revanche, il faut noter que les esprits de la forêt utilisent toujours la forme et l'apparence des animaux, comme le gorille qui m'a rendu visite et a conclu une alliance avec moi. J'étais très élevé dans le monde forestier et j'envoyais mes agents en mission de destruction, et ces agents qui travaillent avec l'esprit de forêt prenaient toujours la forme d'un animal quand ils accomplissaient leur mission. En cas d'échec, je les punissais et les gardais en forme d'animal. Il y avait un temps où le gouvernement du régime Mobutu était sur le point de construire une bypass dans la capitale.
Le gouvernement national devait consulter le gouvernement spirituel du pays, parce qu'il y a un gouvernement spirituel et invisible gouvernant tous les pays du monde. Partant de ceci, le souverain et le propriétaire de ce pays sont spirituels. Le gouvernement national n'avait pas d'autre choix que de négocier avec le gouvernement invisible contrôlant le pays. Le gouvernement invisible, qui est composé de sorcières et satanistes de toutes les provinces et de régions du pays, avait demandé au gouvernement national d'offrir 9 personnes appartenant aux 9 régions du pays. Ainsi, il y a eu un accident dans le site de construction de l'échangeur, et donc 9 personnes moururent sur le site de la construction de cet échangeur. Ceux-ci étaient des gens de 9 provinces du pays. Ceux-ci étaient de termes et conditions du pacte. À vrai dire, beaucoup des constructeurs et ingénieurs sont dans l'occultisme. De temps en temps, ils rencontrent des monstres et des démons les empêchant de construire dans les sites éloignés, dans l'eau et même les déserts, et donc ils doivent négocier et entrer dans des accords avec les esprits territoriaux qui contrôlent et gouvernent les territoires où sont les sites de construction. Ainsi, les constructeurs et ingénieurs doivent négocier avec les sirènes des eaux, les sirènes de montagne, les sirènes de désert qui contrôlent ces territoires. Car ce monde est contrôlé et assigé par des différentes races de démons. Le diable a fait savoir à Jésus que ce monde lui appartient et lui a été donné. Ainsi, sous l'eau, juste vers la surface, il y a un monde. Au fond de l'eau, il y a un autre monde. Et quand on descend sous la terre ferme, il y a un autre royaume. Le royaume marin où je voyageais était divisé en des clans, des dynasties et des royaumes. Il y a des immenses châteaux forts et des palais royaux sous l'eau. Ceux-ci sont des résidences de reines, des déesses, des sirènes et rois. Ces reines, déesses et sirènes vivant dans ce château royal ont des pouvoirs et influences différents. Chacune de ces dynasties et clans régnant dans le château royal gouverne un territoire précis ayant une frontière précise. Quand la sirène de séduction veut attaquer une église, elle se lèvera dans la surface de la terre, et elle cherchera une belle sœur et elle entrera en elle, et puis elle va l'influencer et va le manipuler à séduire les dirigeants de l'église. Généralement, quand une sœur est habitée par l'esprit de la sirène, elle va se mettre à s'habiller de façon provocante, et elle va venir à l'église avec cet habillement. Elle va venir en retard pour attirer l'attention du pasteur et des dirigeants. Quand ce genre de dame habitée par la sirène entrait dans l'église, ses yeux seront sur le prédicateur. Je veux dire qu'elle aura des yeux de séduction, et si le prédicateur la convoite et couche avec elle, la sirène entrera dans le pasteur et il perdra son pouvoir et son autorité. Wow. Une fois que le pasteur convoite ce genre de femme, il ouvre la porte d'entrée. En conséquence, la sirène entrera et il deviendra ensorcelé. Il suffit seulement de convoiter. La convoiter, ça veut dire quoi? Ah, mes frères et sœurs, les démons travaillent beaucoup. Et ils cherchent une petite porte seulement que tu vas ouvrir pour qu'ils commencent, ils se mettent à travailler dans ta vie. Oui, tu vois une fille passer en même temps, tu la regardes comme ça. Tu commences à t'imaginer en train de faire les choses avec elle. Ah! Ça là, c'est dangereux aujourd'hui. Les démons peuvent profiter de ces belles opportunités pour venir te visiter la nuit dans ton sommeil. Et cela, c'est vraiment grave. Ça veut dire que nous devons faire attention. Plus attention aujourd'hui, parce que nous sommes décidément dans le mauvais temps. Et le diable cherche qui tu es. Il cherche les gens à sacrifier. Il est mauvais. C'est pourquoi nous devons toujours être vigilants. Et c'est surtout les belles filles là. Aujourd'hui, on ne dit pas toutes les belles filles, mais en général, les filles qui sont attirantes, qui sont habillées de façon sexy là, faites beaucoup attention à ce genre de filles. Faites beaucoup attention. Celles qui s'habillent et elles exposent carrément leur nudité, tout est bien serré sur elles. Faites attention. Faites attention. Ne vous laissez pas séduire. Parce qu'il y a beaucoup de sorcières comme ça qui se baladent. Même les sirènes, comme les délétis, qui font ces choses. Nous savons tout ça aujourd'hui. Faites attention, mes frères et sœurs. Pouvoir et son autorité. Une fois que le pasteur convoite ce genre de femme, il ouvre la porte d'entrée. En conséquence, la sirène entrera et il deviendra ensorcelé. Quand cela arrivera, il ne pourra plus se concentrer sur son message parce qu'il est ensorcelé, et son esprit est manigancé à cause de la séduction. Quand je dis que le pasteur perdra son autorité, je veux dire que ses paroles dans le monde des esprits seront sans puissance et sans pouvoir. Ses paroles et ses déclarations deviendront des mots simples et ça ne portera aucune autorité. En gros,
quand un pasteur couche avec une dame habitée par la sirène, au bout du compte, son ministère sera détruit par la sirène. Mais c'est évident. Pourquoi? Parce que les démons vont d'abord commencer par entrer en lui et faire le travail. Après, quand on couche avec une fille, si vous n'êtes pas informé, on reçoit quelque chose. C'est vice-versa. Quand vous couchez avec quelqu'un, si la personne est possédée par des démons, il va synchroniser ses démons avec vous. Vous allez vous échanger des choses. Lui, il va vous balancer 5 démons. Mais si vous, vous avez 10 démons, vous allez lui balancer un peu de démons. Ça veut dire que vous deux, quand vous vous croisez, vous vous intoxiquez. Maintenant, si l'un est pur et l'autre est impur, imaginez la suite. Si le garçon, l'homme, est un sataniste avec des serpents en lui, il va mettre tous ces serpents-là à la fille, ou une moitié de ces serpents, une partie de ces serpents à la fille. Et à chaque fois où, quand, à chaque fois où ils auront des rapports sexuels, ça sera des démons qui seront transmis chaque jour, chaque jour. Ça va faire que souvent tu seras là, tu as des problèmes de ventre, tu as mal au ventre, tu as problème de bas ventre depuis que tu as eu des rapports sexuels avec telle personne. Toi-même là, tu ne sais même plus parce que tu passes au temps à avoir des rapports sexuels avec qui tu croises dans la rue. Mais c'est comme ça. Au lieu que tes règles, ça sort simplement comme à la normale, ça sort des cailloux noirs. Et tu te demandes, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui m'arrive, mes frères et sœurs? Ma soeur, tu as couché avec un sorcier ou un sataniste, mais tu n'es pas au courant. Il t'a injecté des démons. Où tu dois chercher un vrai homme de Dieu qui doit faire ta délivrance. Et tu dois décider d'accepter le Seigneur Jésus-Christ et observer une nouvelle vie. Ah! Et pour faire ta délivrance, laisse-moi te dire que ça ne sera pas facile. Ça va prendre beaucoup de temps. Parce que les démons, ils quittent un corps difficilement. Pour entrer, c'est facile, mais pour sortir, c'est difficile. Pour avoir les rapports sexuels, est-ce que c'est pas doux? C'est doux. C'est intéressant. Mais quand on est enceinte, là, et puis c'est imprévisible, c'est-à-dire c'est imprévisible, c'est-à-dire c'était pas souhaité, tu tombes enceinte sans que ce soit souhaité, là. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, là, tu es fâché parce que tu ne t'attendais pas à ça. Mais pourquoi tu es fâché? Pour enlever là, tu vas faire l'avortement. Si tu essaies, il y a la mort qui est devant. Tu risques de mourir et si tu meurs, toi-même tu vas voir ce qui va se passer. Donc, tu seras obligé de supporter la grossesse pendant 9 mois. Et après, quand tu vas accoucher, tu vas aimer l'enfant parce que c'est sorti de toi. C'est de la même façon, quand un démon sort en vous, quand un démon entre en vous par les rapports sexuels, si vous n'êtes pas tombé enceinte, ce sera un démon qui sera en vous, n'est-ce pas? Oui. Pour qu'il ressorte là, à prendre du temps, dans la prière, c'est-à-dire que tu dois prier intense chaque jour jusqu'à ce qu'il sorte par la grâce de Dieu. Sinon, si Dieu fait la grâce, le même jour, même à l'instant T, dès que vous rencontrez votre homme de Dieu, ça peut se faire. Sinon, il y a beaucoup de personnes qui restent là-dedans avec des démons de l'enfant et ils meurent. Oui. Mais une fois que le démon sort, après avoir rencontré votre homme de Dieu, ou que vous-même vous avez prié que Dieu soit intervenu à votre faveur, vous allez sentir une joie vous animer, une libération. Parce que imagine, toi tes règles qui ne sont plus normales, qui sont maintenant comme des cailloux, comme des boules de je ne sais pas quoi, c'est noir comme ça. Maintenant Dieu t'a délivré, comment tu vas te sentir? En joie. Ah, mais quand tu vas sortir de là, à comprendre qu'on n'a pas de rapport social avec n'importe qui. Surtout en ces derniers temps, le diable piège tous les humains par le sexe, parce qu'il sait que tous les humains aiment le sexe, en particulier les jeunes. C'est pourquoi il y a beaucoup de jeunes qui meurent. C'est pas un hasard. Hein? Et quand on dit qu'un homme de Dieu a été tout simplement initié par une sirène ou encore une sirène a détruit sa vie, même l'église, ça veut dire tout. Ça veut dire tout ce que ça veut dire. Ça veut dire que même les hommes de Dieu qu'on voit là, eux aussi, ils sont exposés à la chose. Ils doivent faire attention. Si vous aimez l'homme de Dieu, priez pour lui. Lui n'est pas fait. Des mots simples et ça ne portera aucune autorité. En gros, quand un pasteur couche avec une dame habitée par la sirène, au bout du compte, son ministère sera détruit par la sirène, qui va alors attaquer le département principal de l'église.
En effet, cette sirène va introduire la fornication entre frères et sœurs. En conséquence, l'Église mourra spirituellement. Une fois que l'Église sera morte spirituellement à cause de l'impureté, le pasteur remarquera que l'assistance et la fréquentation a diminué. En plus de cela, l'intensité de la prière va se dissiper. Le pasteur deviendra désespéré et stressé de remarquer ces faits. Dans cette confusion, le royaume marin le poussera à recourir à l'occultisme. Afin de gagner son âme et prendre contrôle de membres de la congrégation, il y a aussi le scénario où le pasteur mourra après avoir dormi avec ce genre de fille habitée par la sirène. En fait, le diable peut tuer 1000 personnes juste pour gagner un pasteur. En outre, quand les gens voyagent sous l'eau en quête de puissance, de succès et de la célébrité, ils se marient souvent avec des sirènes des eaux. Quand un homme terrestre se marie à la sirène, ils vont donner naissance à des démons hybrides qui sont des démons aquatiques, appelés nymphes. Si cet homme avait des enfants sur la terre, la sirène et les enfants du monde des eaux qui sont des démons vont se mettre à combattre les enfants physiques qui sont à la surface de la terre. Ces démons combattront les enfants physiques de cet homme. Souvent, quand les gens venaient à moi pour le pouvoir ou le succès, je leur donnais les lois et les interdictions dont ils devaient garder. Parfois, je leur demandais de choisir un tabou qu'ils pensent qu'ils peuvent gérer. Beaucoup de gens qui venaient pour la richesse et la gloire préféraient être homosexuels, parce qu'ils pensaient que c'était la croix et le fardeau qu'ils pouvaient porter. Dans le cas où les gens ne parviennent pas à garder leur tabou, quand les gens avaient failli de garder les prescriptions, il y avait des conséquences. Mes frères et sœurs, il y a toujours des conséquences à pactiser avec le diable. Des hommes de Dieu qui sont devenus homosexuels. Quand les gens vont voir, vont découvrir, ah, tel homme de Dieu, on dit c'est un homme de Dieu, mais il est homosexuel. Tout le monde va dire, ah, c'est le diable. Mais vous pensez que c'est quoi? Il a signé un pacte avec le diable. Il doit forcément faire ça pour maintenir sa gloire, même pour ne pas mourir. Parce qu'il est entré dans une dimension que lui-même, il ne maîtrise plus. Si on veut, on l'expose par exemple, on dit tel homme de Dieu, un homosexuel en passé, un autre homme de Dieu. Lui, quand il sera seul à la maison, il va se mettre à pleurer. Parce qu'il ne sait pas, parce qu'il s'est dit que vous ne savez pas où il est entré. Il cherche le moyen de sortir, mais il est bloqué. Si seulement s'il pouvait rencontrer un autre homme de Dieu puissant qui pourrait prier pour lui afin qu'il soit délivré. Ah! Mais ils ne sont pas nombreux, hein, ceux qui pensent ainsi. Ils sont rares parce qu'en général, dès qu'ils ont de tels rapports ou qu'ils ont un démon, ils ont un tel comportement d'homosexualité, en général, ce démon-là ou encore ce comportement-là est accompagné par un démon. Lorsqu'ils sont en acte, c'est ce démon-là qui se manifeste en eux. Ça fait que souvent, ils ont une double personnalité. On ne sait plus pour savoir plus. En outre, il faut noter que dans le monde sous-marin, il y a le tribunal et le système judiciaire. Il y a des anges déchus qui gèrent le système judiciaire dans le royaume marin. Et quand les gens enfreignent le tabou et les interdictions, ils seraient d'abord traduits en justice par le procureur, avant de subir les conséquences de leurs délits et infractions. En revanche, ils ont le droit aux avocats pour leur défense. En effet, il y a des avocats employés par la justice pour défendre les accusés dans le tribunal. Ces avocats peuvent être des humains qui sont déjà morts et continuent leur vie dans le monde des eaux ou des démons. Et donc quand un agent de Satan enfreigne la loi qui régit l'alliance ou le pacte qu'il a signé avec le royaume sous-marin, il a le droit à un avocat qui va défendre son dossier devant les tribunaux. Mais dans le cas où vous êtes reconnu coupable, vous mourrez sûrement sur la terre. Et vous allez continuer votre vie dans le royaume sous-marin, jusqu'à ce que vous puissiez atteindre le nombre des années que Dieu vous a attribuées. Vous allez donc continuer la vie sous l'eau comme esclave ou prisonnier au service de Satan. La plupart du temps quand les femmes avortent, le corps de bébés sont récupérés par les sirènes. Et si ces bébés sont récupérés vivants, ils seront élevés par la sirène dans le monde sous-marin comme des démons. Beaucoup de femmes avortent et jettent le fœtus dans l'eau ou la brousse. Ce fœtus sont récupérés par les sirènes. Ils seront élevés dans la civilisation sous-marine. Une fois sont récupérés par les sirènes. Ils seront élevés dans la civilisation sous-marine. Une fois que ces bébés grandissent dans le monde marin, ils porteraient l'affaire de leur avortement devant le tribunal et vont soumettre l'accusation contre leur mère qui les a avortés sur la terre. Aussitôt que le verdict est prononcé contre leur mère sur la terre, ces enfants qui sont élevés comme des démons combattront contre leur mère. Si ces derniers ne sont pas en Christ, ils vont subir des conséquences, je veux dire la mort. Si la mère vient en Christ,
elle devra consulter un homme de Dieu qui a l'autorité. Quand je dis l'autorité, je veux dire les paroles de cet homme de Dieu doivent peser dans le monde spirituel. Quand j'étais une déesse et une reine du monde des eaux, quand je déclare une parole, quand je disais quelque chose même dans ce monde physique, cela s'accomplissait. Parce que j'avais autorité et il y avait du poids dans mes paroles. Il y a des hommes de Dieu qui ont l'autorité. Quand ils disent quelque chose et leur parole a le pouvoir et le poids dans le monde des esprits. Mais il y a aussi des hommes de Dieu dont les paroles sont impuissants. Ils manquent d'autorité. Pourquoi il manque d'autorité? Nous vivons dans ce monde. Si un homme de Dieu manque d'autorité de toutes ces choses, c'est tout simplement parce qu'il pêche. C'est le péché, le manque de foi, le doute, toutes ces choses réunies qui font ça. Nous devons être extrêmement prudents parce qu'il y a des réalités dans ce monde que vous ne pouvez pas imaginer. Étant donné que j'étais une déesse de l'eau et représentante du royaume de la forêt, j'étais supposée allouer des jours pour le royaume de la forêt et le royaume sous-marin. Le monde de l'eau était vraiment plus exigeant. Ma foi de sœur, son témoignage est incroyable. Incroyable. Nous sommes dans un monde bizarre. Bizarre. Ce que je sais, c'est que Jésus est fort. Et que si vous avez Dieu dans votre vie, ils vous feront la guerre, mais ne vous vaincront jamais. Dites, Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, entre dans ma vie aujourd'hui. Pardonne-moi tous mes péchés. Je reconnais que je ne suis pas juste. Je veux t'accepter aujourd'hui. Rentre dans ma vie et protège-moi. Protège-moi. Délivre-moi des mains de mes oppresseurs. Amen. Mes frères et sœurs, merci d'avoir écouté cette vidéo. Regardez cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à cette vidéo et de laisser un j'aime si vous êtes touché. Préparez-vous également pour la prochaine vidéo. Témoignage puissant qui va venir dans peu de temps. Franchement, ça va être chaud. Au passage, nous vous remercions également pour les 20 000 abonnés. Et vous le savez, notre nouvel objectif, c'est d'atteindre les 100 000 puis les 11 millions d'abonnés. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Nous savons que avec vous, avec Dieu, nous ferons de l'espoir. C'est parti.